Hubert, c'est ton tour. Eh, faut pas se gêner. Laisse, c'est pas grave. On vous a déjà dit que la couleur de votre blouse allait très bien avec vos yeux. Le sport, c'est ma passion. Et vous? C'est moi ou il essaie de te piquer la fille de tes rêves? Alors on fait comme ça. On se voit tout à l'heure au stade pour une petite séance d'athlétisme en tête à tête. Super idée! J'ai pas encore fait mes 15 km aujourd'hui, j'ai des fourmis dans les mollets. Parfait! On se retrouve là-bas tous les trois alors. Ça vous dérange pas qu'Hubert vienne? Pas du tout. Ce sera l'occasion de voir qui est le meilleur. Je vais passer pour un minable. J'ai pas fait une minute de sport depuis la maternelle. Arrête un peu de râler. T'es pas plus nul que nôtre. T'inquiète, je connais un moyen. Ta-da! C'est pas vraiment le moment de manger du pain d'épices. Mais non, on va en faire une poupée vaudou. Lâche ça, malheureuse. La sorcellerie, c'est mal. T'inquiète, on va juste empêcher l'autre frimeur de te piquer Jennifer. Salut! Il y a une promo sur les cure-dents au supermarché. Un offert pour deux achetés. Yes! Prêt? Le premier qui trouve un cheveu a gagné. Et voilà. Priez par ordre de douceur. C'est mieux comme ça. J'ai rien trouvé. Et toi? Non plus. Tant pis, on rentre? Et ça alors? C'est parfait! Corne d'hippopotame, crinière de truite et l'ingrédient final. À nous la puissance maléfique du vaudou! Oh, elle est trop choupinette! Choupinette, on va la tester tout de suite sur Stanislas. Tu vas voir si elle est si mignonne. Désolé, mon vieux. Nul! Quelle arnaque, le vaudou! Ah! Ça va? Bon, je me sens un peu patraque. T'aurais pas utilisé la brosse de Stan, par hasard? Dites, les gars, j'ai jeté une poupée sans faire gaffe, y'aurait moyen de la récupérer? Attrape-la si tu veux. Hop, je l'ai. Et Christophe? Et Christophe, tu veux te battre? Tu veux te battre, hein? Pardon, pardon, j'y peux rien. Vous faites un métier formidable, hein, vraiment. Merci, les minables. J'ai fichu. Stanislas va m'humilier devant Jennifer et elle voudra plus jamais me parler parce que je suis trop nul en sport. Arrête de pleurnicher, ça va très bien se passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait déjà être là, non? Désolé pour le retard, je sors tout juste de mon cours de ping-pong. Ah, super, on commence les choses. Allons-y, qu'on en finisse. À vos marques! Prêt? Partez! Les garçons, du calme, c'est pas une compétition. Si! Qu'est-ce qui vous arrive, cher voisin? Un petit coup de mou. Allez, courage, Hubert. M'attendez pas, je refais juste mon lacet. Vous voulez connaître mon secret? J'optimise ma pointe de vitesse grâce à une épilation parfaite des dessous de bras. Excusez-moi, pardon.
Oh, vous savez, il n'y a aucun mérite. Je suis ceinture noire d'athlétisme. Il a triché. C'est pas possible. Non, mais dites donc, je vous permets pas. Hubert serait incapable de faire une chose pareille. Oui, c'est vrai, ça. Je confirme. J'aurai ma revanche. C'est ça, quand tu veux, mon pote. Ah, elle est trop mignonne, cette poupée. C'est pas un jouet. Tenez, je vous l'offre. Oh, merci, c'est trop gentil. Vous savez, c'est pas vraiment moi qui... Oh, on a envie de lui faire plein de câlins. T'avais pas un truc à lui dire? Non, non, rien. Bonjour Hubert. Bonjour Jennifer. Vous me surprenez en plein exercice. Je suis sûr que vous êtes une dingue de sport comme moi. Oui, j'aime bien la natation. La piscine? Ah, c'est super ça. Moi aussi j'y vais tout le temps. J'adore la piscine, j'étais bébé nageur et mon signe du zodiaque c'est le dauphin. Alors vous pensez que... Ah oui? Mais c'est fou qu'on s'y soit jamais croisés. C'est pas... Oui, c'est parce qu'ils ont des horaires aménagés pour les nageurs professionnels. Pour pas décourager les débutants, vous comprenez? J'ai justement besoin de conseils. Vous accepteriez d'y aller avec moi cet après-midi? Oui, bien sûr. Vous êtes un amour. C'est horrible! J'ai rendez-vous à la piscine avec Jennifer! Ben quoi, c'est pas une bonne nouvelle? Je sais pas nager! Je vais être ridicule. Elle voudra plus jamais me parler. T'inquiète, je vais t'apprendre, moi. Mais si tu peux! Mais non, je peux pas! Le truc, c'est que l'eau, c'est pas mon élément. Je me sens pas chez moi. Et là? Tu te sens chez toi, maintenant? Je vais être le premier cochon à se noyer dans son salon. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Fais-moi confiance, tous les animaux ont un instinct de survie. C'est pas croyable, hein, t'as vraiment totalement renié ton instinct. Non, on va faire autrement, j'appelle un pote. Nage! Mais nage! Pourquoi tu nages pas? Bon, les copains, désolé, mais je dois y aller, hein. J'ai cours de chant cet après-midi. Ok, merci. C'était sympa d'être passé, Steven. Takako, regarde! Je nage! C'est vrai que vous êtes à l'aise dans l'eau. Merci d'être venu. De rien. Et encore, là, c'est que l'échauffement. N'hésitez pas à aller au bout de vos mouvements. Si vous saviez le temps qu'il m'a fallu pour réaliser l'importance de la dynamique des fluides dans la natation, soyez étonnés.
Je vous ai déjà raconté là, la fois où je me suis fait flasher pour excès de vitesse dans le grand bassin. Je passe en mode statique. Ça permet de mieux répartir l'effort. Tiens, salut, Eros. Je savais pas que vous étiez maître nageur. J'aurais bien besoin de quelques conseils pour améliorer ma brasse. Désolé, je ne fais pas les cours particuliers. Pour ça, il faut voir avec Michel. Qu'est-ce que tu fais, là? Oh, c'est pas le moment de me lâcher. Ça se passe hyper bien avec Jennifer. Allô? Ouais, Cathy. Tu croiras jamais qu'il y a la piscine avec moi? Eros! Tu me crois pas? Attends, je te fais une photo. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour... Elle a la tension synchronisée en tolo! Je te rappelle, il y a une morue dans la piscine. Merci. Franchement, je vois pas ce qu'il a de plus que moi. Faut absolument qu'on trouve un moyen de les séparer. Qu'est-ce que tu fais, t'es dingue? Au secours! Un enfant à la mer! Je suis vraiment le seul à pas savoir nager ici. Waouh! Ah oui! Ça, c'est du muscle. Elle va se calmer, cette allumeuse! Hé, hey, touche pas à ma Jennifer! Hey. C'est mon Eros! Excusez-moi, mais le nudisme est interdit ici. Je dois y aller, j'ai piscine. Salut! Il est interdit de courir au bord du bassin! Je vous jure, aujourd'hui les gens ne respectent plus rien. Je dois vous dire que votre fils nage très bien. Il a parfaitement saisi l'importance de la dynamique des fluides et... Écartez-vous! Il faut que je lui fasse du bouche à bouche. Dingue! Eros utilise le même dentifrice que moi. Il te les faut vraiment tous, hein? Dans la famille Méduse, je voudrais le père. Merci. Et maintenant, je voudrais... C'est l'heure d'aller se coucher. Non, on vient juste de commencer. Ta ta ta. L'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt. Bonne nuit. Ok. Dis donc, t'es une vraie marmotte, hein? Ça fait déjà 2 minutes que tu roupilles. Tu plaisantes? Bah non. Effectivement, biologiquement parlant, les mouches ne dorment jamais. Et c'est un tort. Parce que le sommeil, c'est la santé. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Pigé? Mais je suis en pleine forme! T'es sur les nerfs. C'est pas bon.
Allonge-toi là-dessus. Voilà. On n'est pas bien comme ça? Si. Parfait. Allez, bonne nuit. Oups! Ah, j'ai oublié de me laver les dents. C'est bon! Fais de beaux rêves. Attends! J'ai envie de faire pipi. Ah, ça va mieux. Allez. Yes. Hubert! J'ai soif! Viens, une tilleule pour mademoiselle. Ça ira comme ça? Elle est hyper bonne! Tu viens? C'est plus l'heure de barboter! Au lit! Ok, mais tu me racontes une histoire. Et voilà comment le grand méchant loup fut bien attrapé par... le plus malin des trois petits cochons. Bien fait! Si j'avais été là, il aurait pris encore plus cher, tu peux me croire! Je vais mettre tes batteries à plat, ma cocotte. Tu me fais 50 fois le tour du salon pour commencer. À vos ordres, coach! C'est ça. J'en connais une qui fera moins la maligne tout à l'heure. Stop! Comment tu te sens? J'ai des picotements dans les mollets. C'est la fatigue, tu crois? Je veux dormir! Te mets pas dans des états pareils, on va trouver une solution. Y'a rien à faire, hein. T'es une vraie pile atomique. Hubert, t'as pas le droit de laisser tomber! Y'a toujours un moyen! Ben voilà, c'est quand même plus sympa dans un vrai lit. C'est la première et la dernière fois que je cède à tes caprices. J'ai droit à une petite bise avant de dormir. Non, chacun de son côté. Comme tu veux, ça me dérange pas. Tu trouves pas? Merci, Hubert. Oui, de rien, hein? C'est hyper doux. C'est quoi comme matière? Pure soie de cochon, ma chère. Wouah! Trop la classe! N'est-ce pas? C'est de famille, ma mère avait la même. Excusez, c'était juste pour vous prévenir du dérangement. C'est bon! Allez-y, les gars! Chabou! Chabou!